Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mardi 3 novembre. Les titres développés ce soir, qui peut vendre, quoi et comment? Les petits commerces vont-ils s'en sortir durant cette deuxième période de confinement? C'est ce que nous verrons dans ce journal. Les théâtres s'interrogent également à la suite à donner à leurs activités. Enfin, les policiers pris pour cible dénoncent le manque de moyens. C'est ce que nous verrons dans un instant. Un coup d'œil sur la météo de ce mercredi. Le soleil sera au rendez-vous sur la grande majorité de la région quant aux températures de saison. Elles iront de 9 à 14 degrés l'après-midi. Et pour débuter ce journal, les grandes surfaces n'ont plus que quelques heures pour ne plus mettre à disposition les produits qui ne peuvent être vendus par les magasins de proximité frappés par la fermeture. Le décret précisant les produits que vous ne pourrez plus trouver dans les rayons des grandes surfaces est donc paru ce mardi. Sont concernés les livres et DVD, les jouets, les vêtements, les fleurs, les décorations et arts de la table, l'électroménager, les meubles, les bijoux, le maquillage. Des petits commerçants et les indépendants déjà affaiblis par le premier confinement et qui pourraient, pour certains, ne pas se relever de ce deuxième acte. Pourtant, nombre d'entre eux ont décidé de ne pas baisser les bras en rejoignant des collectifs d'entraide ou en proposant de vendre par le biais de click and collect et organisent ainsi leur survie. De son côté, l'URSSAF reporte les prélèvements d'échéance du mois de novembre. Amandine Roncon. Dans ce village de Gironde, des commerces fermés suite à l'annonce du confinement. Mais certains résistent et ont décidé de proposer un système de drive à leurs clients. Je leur donne le paquet à la porte, le TPE, je leur avance pour les paiements par carte bancaire. Je comptais sur ce mois de novembre avec l'approche de la période des fêtes. Donc j'espère avec ce drive et la mise en place du site internet de limiter la perte du chiffre d'affaires. J'ai quelques commandes, mais je pense que ça peut atteindre plus de 50%, voire 70% du chiffre d'affaires des derniers mois. Pour aider commerçants et indépendants, en plus du prêt garanti d'État, les cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne seront pas prélevées au mois de novembre. Des mesures insuffisantes pour le collectif Les Pendus. Les aides qui ont été annoncées, qui ont l'air quand même assez proches de ce qui a été fait la dernière fois, mais semble-t-il ont été très inefficaces pour la majorité de ce secteur-là. Et l'inquiétude, c'est qu'en début d'année, ces commerçants doivent mettre la clé sur la porte. Plusieurs milliers de commerçants et d'indépendants de Gironde sont en sursis, mais leur situation pourrait s'aggraver un peu plus à l'approche des fêtes de Noël, où certains d'entre eux réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires annuel. Et 5 arrêtés municipaux seront examinés devant le tribunal administratif de Bordeaux ce jeudi. Des arrêtés pris en soutien au commerce de proximité pour maintenir l'ouverture de ce dit non essentiel par les communes de Coutras, Pessac, La Teste-de-Buch, Marmande et Ribérac. Les préfectures donc de Gironde, Lot-et-Garonne et Dordogne les ont donc déférées devant le tribunal administratif de Bordeaux. Et vous le verrez dans un petit instant, ils ne seront pas les seuls. C'est d'ailleurs le cas du côté de Mont-de-Marsan. Marsan dans les Landes, le combat donc est le même pour les petits commerçants, souvent appuyés par leur municipalité. C'est ce que nous détaille Odile Faure. L'actualité dans les Landes est marquée cette semaine par les arrêtés municipaux pris par deux maires du département, le maire de Saint-Sevé et le maire de Mont-de-Marsan, des arrêtés écrits donc samedi 31 octobre, retoqués immédiatement par la préfecture. Et ils sont d'ailleurs convoqués au tribunal administratif de Pau ce mercredi. Ils dénonçaient la distorsion de concurrence entre les commerces de proximité qui ne pouvaient pas donc vendre des produits non essentiels et les grandes surface qui, elle, le pouvait. Ces arrêtés devaient être effectifs ce mardi 3 novembre. Ce mardi 3 novembre, aucun commerçant montois n'a ouvert sa boutique et donc ne s'est pas mis dans l'illégalité. En revanche, partout dans le département fleurissent des solutions système D de la part des professionnels de la vente. Ce sont des magasins entiers filmés avec les produits et les étiquettes mis en ligne sur les pages des réseaux sociaux. Ce sont des photos des clients qu'ils prennent dans les vitrines et des SMS ensuite envoyés aux commerçants. Et c'est également une initiative intéressante à Mont-de-Marsan Chronopote où 8 commerçants se sont associés dans un collectif pour aller livrer des clients en dehors de la ville.
Et puis à noter toujours dans ce chapitre une entreprise de Inx qui s'est lancée dans une application qui s'appelle Ecurio et qui va permettre à des commerçants justement de mettre en ligne leurs produits. C'est tout nouveau, tout neuf et c'est à suivre dans Sud-Ouest. Voilà, et autre secteur touché par le confinement, celui de la culture, et le Théâtre National Bordeaux-Aquitaine ne fait pas exception, mettant une croix sur ses représentations et ses tournées, même si les répétitions et cours se poursuivent, les salles resteront encore vides de spectateurs. D'abord été très très accablée, et là, comme je suis plutôt de nature combative, j'essaye de remonter et d'inventer des choses dans les incertitudes dans lesquelles on est. Parce que, comme vous le voyez, là, on est dans le décor de A Bright Room Cold Day, qui est la pièce de Tony Kushner qui devait partir en tournée. On avait une très jolie tournée, Lyon, Martigues, etc. Dijon, ça ne se fera pas, mais par contre, on a le droit de continuer à répéter ce que je vais faire, donc là, puisqu'il y a en plus un changement de rôle, mais pour un spectacle qu'on ne sait pas à quelle date on pourra le jouer. C'est très compliqué. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on a la chance, et je le dis par rapport à des structures qui, elles, n'ont pas de garantie ou qui doivent se débrouiller toutes seules. En étant une institution, on est quand même aidé, ce qui nous permet au moins de se dire qu'on peut tenir. Mais par contre, notre mission, qui est effectivement de transmettre et de partager l'art au maximum de gens possible, elle se trouve là totalement, j'allais dire, empêcher, mais parce qu'on ne sait jamais où on va. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous voulez, immédiatement, quand j'ai su qu'on pouvait répéter, on s'est dit, bon, allez, on répète. On va peut-être anticiper des répétitions de spectacles dont on ne sait pas à quelle date on pourra les jouer. On se dit, bon, profitons-en, on va voir les scolaires, si on peut faire du périscolaire. On en fait d'habitude, hein, mais là, allez, on y va tous azimuts. Ça va être notre public privilégié pendant 2 mois. On y va vraiment. Et comme chaque soir, désormais, nous répondrons à vos questions, celles que vous vous posez à l'occasion de ce reconfinement, ce que vous avez le droit de faire ou pas, autant d'éléments que vous pourrez également retrouver dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Ce soir, Alix Fourcade, quelles questions avez-vous retenues ? Oui, Christophe, et aujourd'hui, nous avons une question de Aude à Mont-de-Marsan qui nous demande si les coiffeurs vont rester ouverts pendant le reconfinement. Eh bien, la réponse est malheureusement non, Aude, et les coiffeurs à domicile ne dérogeront pas à la règle. C'est une décision qu'a confirmée Thierry Randon, qui est président du syndicat des coiffeurs de Charente-Maritime dans les colonnes de Sud-Ouest. Et c'est regrettable, d'après l'Union nationale des entreprises de coiffure, car le secteur rencontre de grandes difficultés depuis le début de la crise. Voilà, si vous aussi vous avez des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à vous connecter sur le formulaire de sudouest.fr. Bonne soirée. Merci Alix. Et donc les questions également, donc, comme je vous le disais, à retrouver donc sur sudouest.fr. Le prochain Jumping International de Bordeaux fait lui aussi les frais de ce deuxième confinement. Annonce faite par Congrès Exposition de Bordeaux. Il était prévu du 4 au 7 février 2021. Ils ont donc décidé de l'annuler dans ce contexte d'incertitude économique et sanitaire et renvoie donc la 47e édition du 3 au 6 février 2022, tout comme le Salon du Cheval. L'escalade des violences envers les forces de police vient de franchir une nouvelle étape. Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, un fourgon de CRS a été la cible de tirs dans la cité des Aubiers à Bordeaux. Des tirs accompagnés de jets d'acide d'une rare violence dans la métropole bordelaise, ce que dénoncent les syndicats policiers. On est tous passés par la région parisienne, les policiers qui sont à Bordeaux pour la majorité. On a connu des secteurs difficiles en région parisienne. On avait passé à Bordeaux et à l'heure actuelle, le sentiment de mes collègues, c'est... essayer de rentrer en vie. Ça fait des mois que les tensions sont extrêmes sur Bordeaux, envers nous, mais aussi tout ce qui est violence à la population, les vols de violence à Bordeaux se multiplient. Et nous, au niveau des quartiers difficiles, il y a une vraie explosion des violences envers les policiers, tout simplement parce qu'il y a un trafic de stupéfiants qui est bien implanté à Bordeaux et qu'on dérange. Mais là, on a franchi une étape, on a voulu tuer du flic, et ça, on ne peut pas l'accepter. Et nos collègues sont au bout du rouleau. On est pris sur tous les fronts, les attentats, le respect du confinement, plus ça. Là, il y en a marre, ça suffit. Il faut qu'on ait les moyens légaux, humains et matériels de pouvoir intervenir et de régler le problème et de rétablir l'ordre républicain dans ces cités. Allez, faire du surf ou pas, traverser la frontière espagnole pour faire des courses, c'est l'actu du jour au Pays Basque, où nous rejoignons Thomas Villepreux.
Bonjour, à quoi ressemble le reconfinement au Pays Basque ? Contrairement au printemps dernier, lors du premier confinement, l'accès aux plages est autorisé. En revanche, cela reste dans la limite de votre kilomètre disponible. Pas question d'aller toutefois à l'eau. L'activité de baignade est strictement interdite. Les surfeurs qui, jeudi dernier, sont allés sur la vague géante Bellara, réservée aux experts, ont rappelé à quel point cette passion était très, très présente au Pays Basque. Il y a moins de soleil en ce moment. La tentation de la baignade n'est pas très importante. Toutefois, certains surfeurs vont à l'eau. Le préfet s'est montré tolérant lors du premier week-end, mais il n'est pas question que cela dure. Il y aura donc plus de contrôle, certainement. Reste à savoir, le cas échéant, si les surfeurs vont à l'eau, si les forces de l'ordre auront pour priorité d'aller contrôler les surfeurs, soit en les attendant de longues heures sur la plage, soit en allant directement chercher 135 € d'amende dans l'eau de baignade. Quoi qu'il en soit, les activités nautiques sont clairement interdites, bien plus clairement d'ailleurs que le passage de la frontière. Certes, il est tout à fait possible de passer la frontière en direction de l'Espagne si vous résidez à moins d'un kilomètre et que vous souhaitez vous procurer des produits de première nécessité, comme par exemple du jambon accompagné de cigarettes et d'alcool à bas prix dans les ventas espagnoles. Le problème est que le droit juridique espagnol s'applique une fois la frontière franchie, ce qui signifie clairement que dans la communauté autonome basque où les non-résidents n'ont pas le droit de quitter leur commune, vous êtes coincé. Autrement dit, l'Europe s'efface derrière le Covid et il n'est pas possible de franchir la frontière. Il s'agit donc pour beaucoup d'une incohérence de plus. Les incohérences sont justement ce que dénoncent les commerçants indépendants à Bayonne comme ailleurs. Ils prévoient de manifester ce mercredi dans la capitale du Pays Basque pour dire tout le mal qu'ils pensent de la concurrence déloyale que leur font les grandes surfaces. Alors certes, les rayons contenant des produits non essentiels des grandes surfaces devraient être très prochainement supprimés partout. En attendant, le mal est fait et la mobilisation de ce mercredi à Bayonne n'est pas annulée. Les rugby à présent pour l'Union Bordeaux-Bègles, il faudra confirmer la victoire face à Agen acquise le week-end dernier, 71-5 à Chaban-Delmas. 10 essais qui font du bien en Bordeaux-Bègles, de quoi relancer la machine. Christophe Urios, le manager, est plutôt satisfait par un état d'esprit retrouvé. Écoutez-le. On attendait un match comme ça, on attendait évidemment de battre Agen. Mais on avait tous au coin de notre tête quand même de faire un bon match. Parce qu'on en avait besoin. Voilà. Donc moi je constate quand même que depuis ce match, depuis Bristol, on n'était pas capable de faire des matchs comme ça. Parce que dans l'état d'esprit, ça confirme bien ce que je dis depuis un petit moment. Hein. Donc voilà, donc ça fait plaisir de voir, de voir des mecs qui se battent les uns pour les autres, de faire la passe parce que tu as confiance au mec, de jouer ensemble, de retrouver des sourires. C'était bien quoi, c'était bien. On en avait besoin, c'était bien. On est remonté à cheval, quoi. Voilà. Après, il faut partir au galop. Allez, demain matin, dans la matinale, avec Raphaël Rohrenbusch, nous décrypterons les élections présidentielles américaines, entre autres, avec ses conséquences. Et nous irons à la rencontre des néo-aquitains qui vivent aux États-Unis et recueillir leur avis sur ce scrutin. Allez, avant de nous quitter, une info-circulation. Le pont d'Aquitaine, lui, sera fermé dans les deux sens, dans les nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi, de 22h à 6h, toujours pour entretien de l'ouvrage. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV7.